Le projet de loi demande également que les banques ayant des liens commerciaux avec ces responsables publics soient pénalisées. Le projet de loi a été approuvé à l'unanimité par le Sénat jeudi. Les législateurs américains ont critiqué des banques telles que HSBC et Standard Chartered qui ont exprimé leur soutien à la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Washington s'est opposé à plusieurs reprises à la législation, craignant qu'elle ne compromette l'autonomie de Hong Kong. Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu à la décision de Washington. Nous exhortons les États-Unis à prendre conscience de la situation, à respecter le droit international et les normes fondamentales des relations internationales, à cesser de s'immiscer dans les affaires de Hong Kong de quelque manière que ce soit, à cesser de délibérer sur le projet de loi et à ne jamais ratifier ni appliquer des projets de loi liés à Hong Kong. Dans le cas contraire, la Chine réagira fortement et les États-Unis en assumeront toutes les conséquences.